Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je sais que vous aimez beaucoup et que moi j'aime beaucoup faire également. Donc c'est une vidéo en cuisine, ce sera des recettes salées puisque la dernière vidéo je vous avais fait des recettes sucrées. Ensuite je vous ai fait une journée dans mon assiette. Donc ici j'ai choisi de vous faire une vidéo spéciale recette express. Je sais que toutes les mamans, nous sommes toutes les mêmes, on peine tout le temps à savoir ce qu'on va faire à manger, surtout si on fait pas ses menus à l'avance. Franchement c'est un calvaire de toujours, tous les jours, devoir deviner ce qu'on va faire à manger, devoir chercher ou d'entendre tous les jours qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Bref, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup vous faire des vidéos recettes pour vous proposer des nouvelles recettes que moi-même je découvre, que j'ai testées et que j'aime bien. Et pour vous donner des petites idées de recettes sympas. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Et ce sera une vidéo en collaboration avec une autre youtubeuse. Donc de la chaîne Fouzia Rose. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Avec qui on échange beaucoup. Et pareil, elle partage des hauls, des retours de courses, des recettes. Donc le challenge d'aujourd'hui pour nous, c'était de vous présenter des recettes rapides au Thermomix. Alors pour vous dire la vérité, les recettes que je vais vous présenter, vous pouvez totalement les faire sans Thermomix. Voilà, pour le challenge d'aujourd'hui, je les ai faites au Thermomix, et parce que aussi j'ai le Thermomix, donc c'est plus pratique. Voilà, pour la vaisselle, etc. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à lui faire un petit coucou de ma part. Je vous mettrai le nom de sa chaîne juste ici et également en barre d'informations la chaîne en collaboration avec moi. Dans mon dernier retour de course, je vous ai montré le menu de la semaine et le petit livre dans lequel j'allais prendre des recettes, donc des recettes qui sont express. Voilà, j'avais également choisi des recettes veggie, mais je les ai pas mises, il me semble, dans cette vidéo aussi, puisque c'était pour avoir des recettes rapides. Voilà, et vous avez été nombreuses à me demander de quel livre il s'agissait, donc c'est un coffret, voilà, comme ça, que vous voyez dans toutes mes vidéos, puisque je le laisse en décoration sur mon plan de travail, et honnêtement, mon mari me l'a offert l'année dernière, il est passé à Carrefour. Il l'a vu, voilà, en dessous d'un sapin, voilà, il était exposé comme ça. C'était au moment de Noël, donc c'est pour ça que je vous le montre aussi, parce que je pense qu'ils vont le ressortir. D'ailleurs, je l'ai vu dans une story de ma copine, le petit monde de Anna, sur Instagram. Et elle l'avait filmé chez Carrefour. Donc voilà, il est comme ça, il y a plusieurs recettes dedans. Apéritif dînatoire, cuisine du monde, veggie, express, light... recevoir avec Thermomix, gâteau de maman, également boulangerie maison, et ici vous avez un petit tiroir. Voilà, et comme moi j'ai le TM5, j'y range mes clés. Voilà, avec le TM5 vous avez des clés, ici c'est une clé tout chocolat. Voilà, donc voilà, je l'avais jamais utilisé et franchement j'ai découvert trop des bonnes recettes dedans, surtout les recettes express, elles sont hyper bonnes et express, vraiment une quinzaine de minutes tout est fait. Donc trêve de blabla, c'est parti pour une vidéo en cuisine avec moi. Donc la recette d'aujourd'hui, ce sera salade de poulet, pommes, chou-fleur et avocat. Donc vous aurez besoin de filets de poulet, normalement de pousses d'épinards, mais moi je vais mettre de la mâche, de l'huile, du jus de citron, sel, poivre, deux pommes acidulées et deux avocats. Voilà, ainsi que de l'eau. C'est parti. Et bien évidemment des choux-fleurs que je vais mixer tout de suite dans le bol du Thermomix. Donc ici je vais placer 150 g de choux-fleurs et je vais mixer 3 secondes vitesse 5. Donc voici ce que ça donne. Je vais réserver ça et rincer mon bol. Donc ici j'ai nettoyé mes poulets, j'ai enlevé tout ce qui était gras, j'ai fait des petites incisions, je vais venir les placer sur le plateau du Varoma. Donc je vais y mettre
Ensuite, un filet de jus de citron et d'huile d'olive. Les 150 g de chou-fleur râpés doivent être crus et rester crus, et les autres doivent être cuits. Du sel, du poivre. Et je vais tout faire cuire à la vapeur. Et dans le bol du Thermomix, j'ai mis 1 litre d'eau. Donc je vais mettre 22 minutes, vitesse 1, température Varoma. Et pendant ce temps-là, je vais venir m'occuper de couper les avocats et les pommes. Donc pour les pommes, ça sera en lamelles, et pour les avocats également. Et bien sûr, en dessous des escalopes de poulet, j'ai mis les choux-fleurs en fleurettes, ceux que je n'ai pas râpés à cuire. Une fois que tout est cuit et que j'ai tout découpé, je viens mélanger le tout dans un grand saladier. Et pour terminer, on a juste à ajouter la petite sauce avec de l'huile, des épices à salade et du citron. Et voici ce que ça donne. Pour cette recette, ce sera une recette de croque, baguette, thon et champignons. Donc ici, on a pris des baguettes rustiques. Normalement, ils demandent du cantal. Je vais mettre le mélange 3 fromages de chez Lidl. Ce sera très bien. Il faudra du beurre, sel, poivre, du thon, des champignons, du lait, de la farine. Donc je vais commencer par mettre 30 g de farine et 30 g de beurre dans le Thermomix pour faire cuire. Normalement il demande juste avant de mixer le fromage, le cantal, mais comme moi c'est déjà râpé, donc j'ai pas besoin de le faire. Donc une fois que j'ai mis les 30 g de beurre et les 30 g de farine, je vais faire cuire 5 minutes à 120 degrés, vitesse 2. Une fois les 5 minutes passées, je vais ajouter 300 g de lait. Je mélange 20 secondes, vitesse 6. J'ajoute le sel et le poivre. Et je vais venir cuire 7 minutes, 110 degrés, vitesse 3. Ensuite, une fois que la béchamel est prête, je vais ajouter les champignons émincés et bien égouttés. Donc moi, je les ai un petit peu coupés en plus pour les enfants. Donc c'est une petite boîte, et je vais également ajouter 100 g de fromage râpé, comme ça, 3 fromages. Vous pouvez également mettre du cantal ou du gruyère. Et je vais mélanger 15 secondes, vitesse 2. Donc voici ce que ça donne pour la béchamel champignon fromage. Donc j'ai fendu mes baguettes en deux, voilà, comme ceci. Je vais venir les parsemer de thon et les tartiner avec la béchamel aux champignons. Et ensuite, je vais enfourner pendant 15 minutes en haut du four. Voilà, et je vais servir ça avec des crudités. Ici, on parle bien de recette express. Donc, si vous n'avez vraiment pas le temps, vous pouvez même prendre une béchamel qui est déjà toute faite, la faire chauffer, y ajouter les champignons, le fromage, etc., les épices. Et comme ça, ça ira encore plus vite. En tout cas, vous étiez nombreuses quand je voulais partager sur Instagram à vouloir cette recette. Donc, c'est chose faite. Donc voici ce que ça donne. Maintenant, je vais enfourner à 110 degrés dans un four préchauffé pendant environ 15 minutes. Je ne saurais même pas vous dire à quel point elle était trop bonne, cette recette. Tout le monde a apprécié, et franchement, elle est ultra rapide. Donc à faire, à tester. Et si vous le faites, si vous testez, n'hésitez pas à me dire votre retour. Vraiment, tout le monde a aimé. Et si vous la faites, n'hésitez pas également à faire une petite photo et à me taguer sur Instagram. Je vous repartagerai avec plaisir. Sur imenworld-8yt.
direct. Donc la recette que je vais faire, c'est celle-ci pour ce soir. Ça sera au thermomix, mais bon, vous pouvez très bien les faire sans. Donc aujourd'hui, ça sera coquillettes au jambon, petits pois et menthe. Alors moi, j'avais pas de jambon, donc je vais utiliser des lardons de volaille. Et voilà, je suis allée chercher de la menthe dans mon jardin. Donc c'est parti pour la recette qui va être hyper simple et hyper rapide. Donc vous aurez besoin d'un oignon, je ne vous ai pas dit les ingrédients, de 250 g de petits pois, de 300 g de coquillettes, 150 g de crème liquide, 500 g d'eau, de la menthe, une tige, donc ça c'est facultatif, 150 g de cubes de jambon et également du sel et du poivre. Donc voilà pour les ingrédients. Donc ici on nous demande de ciseler notre oignon. Je vais venir le mettre dans le bol du thermomix. Ensuite je vais ajouter les petits pois. Je vais peser mes 300 g de coquillettes et je vais les ajouter. Ensuite je vais mettre la crème, donc 150 g de crème. Après la crème, je vais ajouter 550 g d'eau. Je vais ajouter de la menthe. Donc, ils disent 3 tiges de menthe. Donc, moi, j'ai enlevé les feuilles. Je vais juste les ciseler. Voilà, juste les feuilles sans les tiges. Je pense que ça sera plus agréable pour les enfants. Voilà, et pour finir, on va saler et poivrer. Donc, je ne vais pas mettre trop de sel puisque moi, ce n'est pas des dés de jambon, ce sera des lardons. Et c'est déjà assez salé. Donc c'est parti pour faire cuire 12 minutes à 100 degrés, sens inverse et vitesse 1. En cours de cuisson, je viens ajouter les lardons de volaille. Donc voilà ce que ça donne au bout des 12 minutes. Je vais venir mettre ça dans un plat. Je vais ajouter un peu de parmesan, ça c'est facultatif. Il reste plus qu'à servir et c'est une recette à manger directement en fait. Voilà, c'est mieux de la faire au dernier moment vu que c'est assez rapide et de servir directement. Donc ici je fais une petite présentation pour que ça soit non seulement beau mais bon. D'ailleurs c'était hyper bon. Et voici ce que ça donne pour le résultat final. Donc pour cette recette, ce sera papillote de poulet avec des petits pois associés yaourt et citron. Donc moi, la seule chose que je vais changer, c'est les petits pois, étant donné que j'en ai déjà fait dans une recette cette semaine. Je vais mettre des courgettes que je dois utiliser avant qu'elles passent. Donc pour la sauce yaourt, vous aurez besoin de basilic, menthe, coriandre, persil. Donc 30 g de mélange d'herbes. Ensuite, vous aurez besoin de 60 g de mascarpone, d'un yaourt nature, huile d'olive, citron, sel et poivre. Donc moi je vais accompagner le tout avec du riz. Voilà, je suis en train de faire chauffer l'eau pour le riz. Maintenant je vais venir faire ma petite sauce au yaourt. Ici vous avez tous les ingrédients. Donc moi je vais utiliser un mélange d'herbes congelées, voilà, et un petit peu d'épices à salade de chez Lidl. C'est parti. Ensuite dans le thermomix, je vais venir mélanger ma petite sauce yaourt. Donc je vais mettre 60 g de mascarpone. Je vais mettre mes épices à salade de chez Lidl. Une cuillère ainsi qu'un peu de persil. Je vais ajouter le yaourt nature. Je vais mettre un filet d'huile d'olive. Environ une cuillère à soupe, une cuillère de sel, une pincée de poivre et un jus de jus d'un demi-citron. Moi j'ai du citron déjà en jus, donc je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà, maintenant je vais venir mélanger le tout, 10 secondes vitesse 6. Donc voici ce que ça donne pour la sauce au yaourt. Je vais la mettre dans un bol et la réserver au frais. Ensuite j'ai rincé mon bol rapidement, j'ai mis 500 g d'eau dedans, je vais préparer les papillotes. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la papillote. Sur un papier sulfurisé, je suis venue mettre le poulet, les rondelles de citron, les rondelles d'oignon. J'ai rajouté quand même des petits pois pour faire plus joli. J'ai salé, j'ai poivré, je vais refermer la papillote et la disposer dans le Varoma. Et ensuite je vais installer le Varoma directement en enlevant le gobelet doseur
pour que ça puisse cuire pendant 12 minutes, vitesse 1, température Varoma. Et je vais venir faire revenir un petit peu mes courgettes à la poêle, juste avec un filet d'huile d'olive, sel, poivre et un peu d'épices à salade. Et pour finir, je viens débarrasser le tout dans un grand plat, ajouter un petit peu de menthe dans ma sauce yaourt et ensuite je vais ajouter cette sauce yaourt directement dans la papillote. Et voilà ce que ça donne. Bon, du coup pour la recette d'aujourd'hui, ce sera celle qui est en couverture d'ailleurs, des capellini aux merguez et aux tomates séchées. Moi je vais juste changer deux choses, donc j'ai pas de merguez, je prendrai des saucisses comme ça, de volaille. Et les capellini, je vais les remplacer par des fusilli, ce sera plus pratique pour mes enfants, voilà, pour mon bébé surtout pour manger, plutôt que des spaghettis, elle risque de s'étouffer. Et pareil, donc je vais utiliser les épices à salade de chez Lidl, sel, poivre. J'ai plus beaucoup d'huile d'olive et il en faut dans la recette, donc je vais utiliser un peu d'huile d'argan. Ça aura un petit côté, voilà, noisette, parce que ça a un petit goût de noisette. Des tomates séchées, des tomates soit pelées en boîte, soit fraîches. Et j'ajouterai un peu de parmesan. La première chose que je vais faire, c'est venir mettre mon oignon dans mon bol, le mixer 5 secondes, vitesse 5. Je vais racler les bords et venir mettre un filet d'huile d'olive pour cuire le tout, faire rissoler le tout 2 minutes. Ensuite, je vais venir couper mes saucisses ou les merguez si vous avez des merguez et venir les faire rissoler dans une poêle. Donc là, une fois les saucisses cuites, je les ai mis dans le bol. J'ai mis 100 g d'eau dans le fond de la casserole pour gratter, vous savez, ce qu'il y a un petit peu de gratiné, pour faire un petit bouillon que j'ai versé directement. J'ai mis 50 g de tomates séchées et je vais ajouter 300 g d'eau. Donc température 100, sens inverse pour ne pas que ça broie les saucisses, etc. Vitesse cuillère. Pendant 5 minutes et ensuite je viendrai ajouter les pâtes par le petit trou du Thermomix. Et lorsqu'il reste 1 minute de cuisson, donc comme je vous ai dit, j'ajoute les pâtes et je relance pour 7 minutes. Et voici ce que ça donne au niveau de notre plat. Pour cette recette, ça va être ultra rapide, ça va être œuf cocotte, estragon, bacon et noisette. Donc là, j'ai déjà placé l'eau dans le bol. Je suis en train de le faire chauffer 5 minutes 30 en mode Varoma vitesse 1. Donc vous avez juste à prendre des ramequins, à déposer un œuf dedans, sel, poivre, y mettre un petit peu de bacon, une cuillère à soupe de crème et à mettre les ramequins dans le Varoma pendant 6 minutes. Vitesse 1, température Varoma. Donc c'est hyper rapide. J'ai également fait une fournée dans mon moule à muffins. Alors par contre, ça a vraiment collé dans mon moule à muffins puisque je ne l'avais pas graissé. Si vous utilisez un moule en silicone, je vous conseille vraiment de le graisser avant. Mais de préférence, utilisez des ramequins. Avec les ramequins, c'était nickel. Vraiment, tout le monde a aimé. C'était une recette hyper rapide et franchement, ça nous a calé. J'avais fait ça avec une soupe de lentilles corail que je vous ai déjà partagée. D'ailleurs, vraiment coup de cœur pour cette soupe. J'ai trop aimé. C'est une soupe turque. Donc, que je vous ai partagé dans ma dernière vidéo, une journée dans mon assiette.
avec les conseils perte de poids que je vous avais postés. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que ces recettes vous auront plu. N'hésitez pas à les refaire et à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est super important pour me soutenir. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao !